Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui, très courte, petite astuce pour le jardin, pour ceux qui font du jardinage et qui ont des problèmes de désherbant, désherbage, hein. On est toujours embêté par les mauvaises herbes. Petit désherbant écologique que je vais vous montrer, que j'ai testé, qui fonctionne très bien, c'est très simple à faire, ça coûte rien du tout. Allez, on garde ça ensemble et vous allez voir le résultat, c'est quand même assez intéressant d'utiliser ce genre de produit. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour faire ce produit tout simple? Donc, on va prendre du vinaigre blanc, le vinaigre blanc le plus basique que l'on peut trouver, tout simplement. On aura besoin de gros sel et de liquide vaisselle. Pour le dosage, ça va être assez simple. 2 cuillères à soupe de gros sel et 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle. Alors, le liquide vaisselle, pourquoi? Il va permettre au produit d'adhérer et de rester sur les feuilles des mauvaises herbes que vous avez à traiter et de ne pas glisser dans la terre. Et même s'il pleut derrière, ce qui m'est arrivé quand j'ai fait le traitement, il a plu quelques heures après et le traitement est resté aussi efficace. Et en final, le produit ne glisse pas, il permet d'adhérer sur les feuilles et de ne pas aller dans la terre. Allez, je commence le mélange. Donc, je commence par le gros sel. Donc, 2 cuillères à soupe de gros sel dans mon vinaigre. Voilà. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle. Donc, tout est mélangé dans la bouteille. On va laisser mélanger tout ça. Ensuite, je vais mettre ça dans un pulvérisateur de récupération et je vais les pulvériser sur mes plantes. Et vous allez voir le résultat. Donc, je vais faire l'essai sur cette petite zone dans les graviers où il y a beaucoup de mauvaises herbes. Donc, je pulvérise le produit que je viens de réaliser avec ce pulvérisateur et on va regarder un petit peu le résultat. Donc on va attendre quelques heures et c'est très efficace et très rapidement. Donc voilà, il s'est passé environ 10 heures entre ces deux prises. Vous voyez déjà que l'herbe est déjà toute jaune, tout est complètement brûlé par le produit qu'on a réalisé. Et donc on n'a rien rejeté de sale dans la terre puisque le liquide vaisselle a permis au produit d'adhérer sur l'herbe, de ne pas glisser et ne pas sécher immédiatement. Donc ça permet d'avoir une efficacité vraiment plus intéressante avec cette petite astuce. Donc voilà la zone que j'ai laissée volontairement sans traitement pour faire la différence. Hein. On voit qu'il y a toujours de l'herbe. Et ici, la zone qui a été traitée avec le produit. On voit que tout est parti, toute l'herbe complètement disparue. Donc voilà, un désherbant simple, écologique et pas cher. Donc voilà, petite astuce que je voulais partager avec vous, donc facile à réaliser. L'avantage, c'est que c'est écologique, c'est économique. Et puis, bah, dites-moi en commentaire si vous l'avez essayé, si ça a donné de bons résultats. Et puis, d'ici là, je vous dis jardinez bien. Allez, salut, à plus!